Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour notre nouvelle session de Farce Macabre, une mini-campagne de l'Appel de Cthulhu. Avec nous aujourd'hui, nos quatre joueurs habituels, nos quatre investigateurs. Ce coup-ci, je vais commencer dans l'autre ordre parce que sinon, à qui va m'arracher les yeux ? À commencer par Sigmar. Bien le bonjour tout le monde. Et vous me verrez dans le rôle de Andrew McFelton, un vieil homme très sympathique. Histoire de varier un petit peu les plaisirs, Spencer, enfin Loïc. Docteur Spencer Phillips, médecin en charge de développer la parapsychologie. Et puisque j'aime pas faire les choses dans le bon ordre, à qui ? Alors moi c'est dans le rôle de Henriette, une vieille mamie, tout simplement. C'est bon ? Tout va bien, moi, c'est comme tu le sens. Ça marche. Et enfin, Right Hands. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs. Je suis Arthur Wayland, jeune antiquaire, pour vous servir. Merveilleux. La dernière fois, vous étiez arrivé à l'Hôtel Shepherd, dans lequel Henriette, toi, tu étais déjà résidente, entre guillemets. Invité par Charles Belair, le directeur, qui se plaignait d'avoir des gros problèmes récemment au niveau de l'hôtel, des événements inexplicables qui semblent commencer à ternir la réputation de l'hôtel, chose qu'il souhaite éviter au plus haut point. Notamment avec l'arrivée de personnages prestigieux, comme notamment Fouad, qui est donc le prince ou roi selon les personnes à qui vous avez demandé, ainsi que Howard Carter, a probablement l'archéologue le plus célèbre de cette génération. Vous avez commencé un petit peu à chercher des pistes, écouter par-ci par-là, découvrir également des personnes troublées, notamment un homme qui apparemment a eu un accident avec un clou curieux qui l'a laissé blessé et dans une douleur absolument atroce. Vous avez exploré un petit peu et subtilisé sa clé au passage, et prétextant devoir faire un petit paquet de secours pour lui, pour l'hôpital, en avait profité pour vous immiscer dans la chambre. Vous y avez rencontré quelques phénomènes un petit peu curieux, notamment avec des cafards qui semblaient réagir de façon un petit peu trop consciente, alors que Andrew, lui, s'était un petit peu éloigné dans le couloir pour écouter l'origine d'un bruit qui s'avérait être une fête privée, d'un certain Morrison, qui fêtait la mort de sa femme. En rejoignant tes collègues, tu as vu un enfant sur le point de tomber, tu as réussi à le rattraper, ce qui l'a mis dans une couleur noire. Il a soudainement disparu et eu l'air de réapparaître en bas au rez-de-chaussée. Ou en allant le rejoindre, tu as été pris d'une hallucination dont tu viens tout juste de te réveiller. Tu es dans le couloir, comme si rien ne s'était passé. Tu as pris le temps de fermer la fenêtre, juste au cas où. Et tu refais chemin vers tes collègues, alors que nous sommes le 21 novembre, à 16h. Que faites-vous ? Je regarde ma montre et je dis c'est l'heure du goûter. Distribution de cookies, j'imagine, un petit peu au reste du groupe. Ouais. Combien de cookies as-tu sur toi ? Parce que... Eh ben, une dizaine. Alors, est-ce que tu veux que le goûter soit assuré par tes soins, ou est-ce que vous voulez en profiter au restaurant, voire même au bar Moi, j'ai déjà mangé un cookie il n'y a pas longtemps, donc j'en reprends pas. Hein, ça me suffit. Bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours l'habitude de prendre mon thé en tant que bon anglais. Et moi, mon café avec un cookie. Mais pas du coup. À la limite, oui, je vous propose un espèce de tea time ou coffee time, selon qui veut quoi, à l'accueil, et on en profite pour remettre les affaires du blessé. Très bien. Si ça vous va, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faudrait aussi qu'on s'accorde sur quoi demander. Du coup, j'en avais parlé à Monsieur McFelton. J'ai contacté sous les conseils de Monsieur Belair un certain Abdul Kroptak qui pourra nous servir de drogman
Ah bah parfait. Savoir quoi lui demander. Je vous préviens, je dépense aucun sou pour cette personne. Bon, vous inquiétez pas, je peux m'en charger. Il y a peu de choses. Dites-moi, est-ce qu'il y a un étage inférieur qu'on peut voir depuis l'escalier ou pas du tout ? Un accès à un étage inférieur. Au niveau des escaliers, non, il semble pas. Après, tu as quand même remarqué que en passant un petit peu à proximité de tout ce qui était restaurant, cuisine, etc., il y avait quand même tellement de nourriture et boissons diverses et variées qu'ils doivent clairement avoir quelque part un espace de stockage. Mais en tout cas, tu n'y as pas vu d'accès en passant par les escaliers. C'est quoi votre nom déjà ? Le mien ? Ouais. McFelton. Oui. Bah, du coup, on est allé dans... Ah, il nous a rejoint. Oui, oui, là, vous êtes de nous... Ouais. Ok. Du coup, en allant dans la chambre tout à l'heure, je suis discrète, enfin, je chuchote. Hein. J'ai vu des cafards. Genre, ils m'ont regardé les quatre yeux avec les deux yeux. Oui, j'ai cru en remarquer aussi autour de cette... Comment s'appelait-il déjà ? Un individu que nous avons croisé. Weather. Garth Weather. Oui, Garth Weather, c'est bien ça. Je ne sais pas si c'est lié à ce que nous a informé le directeur, mais là, j'ai un peu plus l'impression, peut-être, l'odeur que nous avons sentie dans l'ascenseur tout à l'heure est peut-être reliée. Peut-être qu'il a quelque chose de faisandé au. Dans la réserve ou quelque chose comme ça. Vous pensez qu'il y a un nid de cafards en bas ? Un cafard n'est jamais seul. Oui. Du coup, je sors ma boule de cristal. Ok. Et je regarde à l'intérieur, du coup, voir si je vois quelque chose par rapport au cafard. Alors, j'ai une question pour toi. Mm-hmm. À quel point est-ce qu'Henriette a été... une escroc par rapport à son activité de voyante. Un petit peu quand même. Mais un petit peu quand même. Tu vois, donc 65 sur 105, 60 pour... Disons que tu ressens une petite connexion avec l'occulte, mais t'en fais des caisses pour en rajouter un petit peu avec tes voilà, clients. Tu vois, quoi. C'est tout dans le théâtral. Mm-hmm. De temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça marche. Vous avez branché votre... Non, je suis plaisante. Je regarde ça, je la vois sortir sa boule de cristal et donc comprendre qu'elle va faire une espèce de divination. Et du coup, je regarde ça avec énormément d'attention. Ok. Pas forcément, comment dirais-je, pas forcément convaincu de base, mais en tout cas très attentif à ce qui va se passer. Ok. Henriette, fais-moi un test de pouvoir, s'il te plaît. C'est pour eux que je réussisse. Réussite majeure. Ok. Tu te focalises sur quoi exactement ? Sur les cafards, c'est ça ? Ouais. Spécialement sur... je peux pas regarder les cafards que j'ai pas vus, mais du coup, je vais plus me diriger sur les cafards que j'ai vus dans la chambre et savoir si c'est en lien avec l'odeur qu'on a vue dans l'ascenseur. Les visions que tu reçois... ne sont pas toujours hyper explicites ou hyper claires. Ça vient souvent sous la forme de flash, des images, des sensations. Parfois un peu décousu, c'est souvent à toi de mettre un peu de l'ordre dans ce que tu ressens. Tu vois une salle sombre, avec des murs en pierre et des colonnades. Tu vois comme une espèce de sarcophage, mais à la forme bizarre. Elle n'est pas juste droite et rectangulaire comme tu en croises assez souvent. C'est plus conique et immense. Ça veut dire quoi, conique ? Conique, en forme un petit peu comme ça, de cône. Ah, comme un cône de glace, quoi. Un peu, oui, voilà, mais dans l'autre sens, quoi.
Tu vois des cafards par dizaines, par centaines même. Ils ont l'air même un peu curieux. C'est pas des de vulgaires blattes, des choses comme ça. C'est plus ça a plus des faux airs de scarabées. Difficile à estimer. Et alors que tu te focalises là-dessus, tu es frappé d'un coup par une image d'un cercle. Un truc circulaire. Tu sais pas exactement ce que c'est, mais ça a l'air d'être crucial à tes yeux. Et tu reviens à toi. Pendant tout ce temps-là, Spencer, toi, ce que tu voyais, c'était Henriette très focalisée sur sa boule. À aucun moment, la boule en elle-même n'a montré quoi que ce soit. Par contre, tu voyais dans les yeux d'Henriette des petits mouvements. Des petits mouvements parasites de... Elle a l'air d'examiner ou de réfléchir ou de voir quelque chose. Ça n'a pas l'air d'être le langage corporel de quelqu'un qui essaie d'inventer quelque chose. T'as la sensation qu'elle a effectivement vu un truc. Oui, puis ça peut très largement me faire penser à des choses sur lesquelles j'ai pu travailler. Donc là, je suis parfaitement conscient que il s'est passé quelque chose. Et du coup, ça attise fortement ma curiosité. Et je regarde Arthur et je lui dis, vous voyez, quand vous me posiez des questions sur mon travail, ça, c'est mon travail. Et c'est les premiers résultats probants que vous voyez ou... Non, mais là, ça a l'air particulièrement prometteur. Après, bon, loin de moi, juger votre travail, pas vous, hein, Henriette, mais... Moi aussi, je vois un enfant à une fenêtre. C'est un peu comme ça que vous faites, c'est ça ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Comment être sûr de la véracité de vos propos ? C'est là toute la difficulté de mon travail. Le but de la méthode scientifique sur des phénomènes qui paraissent irrationnels, c'est déjà de... Un, d'amener de la reproductibilité sur les faits, ce qui est jamais évident. C'est sur un fait isolé, très difficile de prouver quoi que ce soit, mais une expérience qui se répète, on a déjà un début de quelque chose. Et ensuite, c'est d'amener l'explication de ce fait reproductible. Donc c'est pour ça que je précise toujours que mon domaine d'expertise, de compétence, de recherche est encore un domaine, on va dire, expérimental. C'est très compliqué de prouver et de donner des éléments tangibles aux gens, surtout quand ils ne sont pas convaincus. Et prêcher auprès des convaincus, c'est pas non plus la meilleure chose à faire. Donc on est dans une discipline qui se cherche encore. Mais là, ce que vous avez vu dans les yeux de notre chère Henriette, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser, passer. Il va falloir que je m'entretienne avec elle à ce sujet, que j'essaye de pousser un petit peu le questionnement pour essayer peut-être qu'elle apporte elle-même les réponses par rapport à ses facultés. Parce qu'il y a clairement des facultés. Ce sera intéressant du coup de découvrir si une telle pièce existe avec ses colonnes, c'est ça, murs grisâtres. Je vous ai rien dit encore. Vincent, t'en as pas parlé. Ouais. Ah, pardon. Attends. J'ai pas eu le temps. Là, je suis encore en train de le temps que. Mon cher Andrew, ses facultés de divination, d'être un petit peu en avance sur son temps, ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Oh mon Dieu, donc là, je reprends machin, tu vois. Oh mon Dieu, un cercle. J'ai vu un cercle. Personne. Un cercle. J'ai vu de... Vous voyez dans la chambre
Les insectes, ils ne me disent rien. Ça ressemble à ce qu'on a vu dans la chambre, mais c'était bizarre. Vous connaissez ces créatures ? J'en ai jamais vu. Selon les dires de d'Henriette et la façon dont elle va éventuellement me décrire le cercle, c'est, j'aimerais bien essayer de le dessiner pour voir. C'est un cercle. Ouais, c'est littéralement tout ce qu'elle a vu. Pour l'instant, c'était tel que toi, tu l'as vu. Je ne sais pas si tu vois un peu la scène lorsqu'il y a une éclipse solaire où tu vois juste cette espèce de ronde lumière autour d'un cercle noir. C'est un peu ça que tu as vu, en fait. Cette espèce d'aura, en fait, autour d'un cercle. Est-ce que j'en ai déjà vu dans ma vie, les éclipses ? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si dans les années 20 et dans les années 1850 et tout ça, il y en a eu. Je vais partir du principe que non, mais t'en as déjà entendu parler. Ouais. Du coup. Vous voyez le cercle, dans les journaux, ils en ont parlé. Des cercles bizarres dans le ciel. Du coup, c'était presque pareil, je crois. Mais je suis pas sûre. Ma mémoire me fait défaut. Mais du coup, revenons aux insectes. On avait déjà vu ? Ou pas ? Et pas, ils avaient pas des antennes, mais des trucs comme ça. J'aimerais essayer de me rappeler dans une... Et si jamais j'arrive pas à m'en rappeler, peut-être plus tard, ressortir le bouquin, mais j'aimerais me rappeler dans une de mes lectures, certaines lectures, si je me rappelle avoir lu quelque chose sur, en rapport avec éventuellement une éclipse solaire et en rapport avec peut-être l'Égypte antique ou des choses qui pourraient s'en rapprocher dans les cultes, etc. Fais-moi un test d'occulte, s'il te plaît. C'est un sujet qui est assez vaste. Tu sais qu'en tout cas, dans tout ce qui est culture égyptienne, le soleil avait quand même une importance qui était assez conséquente. Après, spécifiquement des éclipses, il n'y a pas comme ça là de... Comment dire ? D'informations qui te viennent en tête, à plus forte raison que là, en ce moment, aucune éclipse solaire n'est prévue dans les prochains temps. Il n'y a pas de truc en prévision là-dessus. Donc, il n'y a rien qui vraiment te saute aux yeux immédiatement en termes de ça, c'est pertinent. Ok. Henriette, est-ce que vous seriez d'accord que là, vraiment, ça va être très important pour moi et potentiellement, peut-être que ça va pouvoir nous apporter des éléments de réponse plus précis. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour vous allonger et fixer mon pendule pendant que je vous pose des questions? Alors, m'allonger, ça va être compliqué, mais je peux toujours le regarder assis. Si vous voulez. Mais du coup, vous m'avez pas répondu. Vous avez déjà vu des cafards avec... Le but, c'est que j'essaye de vous faire remonter les souvenirs de ce que vous venez de voir pour qu'il soit plus précis et que, de façon presque automatique, vous nous le décriviez un peu mieux et peut-être que, du coup, on va mieux comprendre ce que vous avez vu. Mais si, ça me dit toujours rien. Mais remontez pas trop dans mon passé, on sait jamais. Hein. Non, là, c'est pas vrai. Trop, hein. Quand même. Hein. On va pas du tout aller dans votre passé, on va retourner dans la vision que vous venez d'avoir. Et vous allez juste me décrire mieux les insectes ou les environnements que vous avez pu voir et nos amis présents vont prendre des notes ou peut-être essayer de les dessiner pour qu'on ait une idée un peu plus précise de ce que vous avez vu. Rentrer dans le cerveau. Bon, d'accord, je vais regarder votre truc. Ok. Spencer, fais-moi un test de psychanalyse, s'il te plaît. Je vais prendre des notes en attendant. De tout ce qui se passe. Ça n'a pas marché. C'est peut-être ma mémoire qui me fait trop défaut. Tu sens qu'elle est un petit peu sceptique, tu sais, que du coup, peut-être qu'elle n'est pas dans les bonnes conditions pour être hypnotisée. On va recommencer, Henriette. On va recommencer. Faites-moi vraiment confiance. Relâchez-vous. Essayez de ni de penser, ni de faire obstacle à ma parole, fixez bien le pendule,
et laisser les choses remonter d'elles-mêmes. Si je meurs là, je me fais dessus. Donc là, tu essaies de pousser ton jet, donc essayer de le relancer. C'est ça, tout à fait. On lui demande des meilleures instructions. Ok, si tu échoues, il y aura des conséquences. Fort heureusement, tu trouves les mots qu'il faut pour réussir à convaincre Henriette. Henriette, tu regardes ce pendule et tu le regardes et tu te sens sereine, calme. Tout est très précis dans ta tête. Spencer, qu'est-ce que tu lui demandes exactement ? Une description un peu plus détaillée ? Alors, vraiment, la description des environnements, même de savoir si du coup elle arrive à avoir une idée d'où ça pourrait être, même si c'est une idée très vague. Est-ce que c'est plutôt sous l'hôtel ou est-ce que c'est dans le pays ? Enfin, voilà. Vraiment du ressenti par rapport aux endroits qu'elle a vus, et une description plus précise des insectes pour qu'on comprenne que c'est des scarabées, parce qu'à la limite, bon, ça on va quand même capter. Enfin, qu'elle nous l'aura bien décrit, a priori, on va comprendre que ce sont des scarabées. Okay. Voilà, donc tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a essayé de nous dire, vraiment détaillé à l'extrême, et si possible, vu que ça a quand même bien marché, si possible, même avoir des précisions en plus. Ok. Tu commences à détailler, malgré toi, entre guillemets, tout ce que tu vois. Spencer, toi, dans les notes que tu es en train de prendre, elle te parle de colonnades. Beaucoup, beaucoup de colonnades. Ça a l'air d'être une pièce assez grande et extrêmement, extrêmement ancienne. Les insectes en eux-mêmes, elle décrit effectivement ce que tu penses être des scarabées, d'après ce qu'elle décrit. Fais-moi un test de naturalisme, s'il te plaît. Ok. Ça peut être des scarabées, ça peut être des libellules, t'es pas sûr. La description est un petit peu... Après tout, elle t'explique de façon plus précise, mais avec ses termes à elle. Mais donc, sur les insectes, les deux autres, ils ont compris aussi ou pas ? Bah, avec la description que tu donnes, on va voir. Arthur et Andrew, faites-moi un test de naturalisme, s'il vous plaît. Personne ne comprend ce que tu racontes, anciennement. En tout cas, par rapport aux insectes. Okay. Par contre, arrive le disque. Ou là, même pour toi, Henriette, ça a l'air plus précis. Tu vois un peu plus en détail. Tu vois un disque orné, décoré. Ça a l'air d'être un objet. Tu y vois des dessins de scarabée et d'une créature curieuse que tu n'arrives pas trop à resituer. Un peu tentaculaire, avec des symboles égyptiens. Ça a l'air d'être crucial. Ça a l'air d'être important. Ça a l'air d'être un élément qui, pour toi, est au centre de tout. Et tu sens quelque chose commencer à pousser dans ton esprit, Henriette. Plus cette image du disque est précise, plus tu sens quelque chose titiller ton cerveau, et pas de la bonne façon. T'entends juste une voix. Prends-le ! Et tu te réveilles. Et il a juste dit le ? Prends-le. Du coup, je me lève un peu en mode... Tu es transpirante à l'heure actuelle. Ouais. Tu sens que quelque chose t'observait. Ah bah, en même temps, avec ses tentacules... Voilà, bah je...
Je rassure Henriette, je vais lui chercher un... Plus jamais, hein. Plus jamais. Et je la remercie. Bah moi, je vous remercie pas, plus jamais. Non, hein. Vous faites sans les autres, mais plus jamais avec moi. Hein. La voix, là, qui m'a dit, prends-le. C'est ça, prends-le. Prends-le, oui. Prends-le, le cercle, les tentacules, le cercle, les insectes, c'est bon, j'ai ma dose. Je sais pas où est-ce que j'ai atterri, mais c'est terminé. Au moment où elle va dire, elle va parler des tentacules, etc., machin, je vais juste me lever, calmement, tu vois, et puis je fais un bon sur ce. Je me rends à ma chambre. Tout ceci m'a légèrement fatigué. Vous n'êtes pas à l'aise avec l'occulte ? Oh, si. Mais c'est juste l'heure du goûter. Donc, du coup, Arthur, toi, tu t'éloignes un petit peu du groupe ? Oui, c'est ça. Et je vais aller dans ma chambre et, pour aller regarder vraiment. Je vais ressortir mon livre des cultes. Fais-moi juste un petit test de trouver objet caché, s'il te plaît. Alors que tu descends l'escalier pour retourner à ta chambre, l'odeur que tu avais ressentie tout à l'heure, tu la sens très très fort là. Tu regardes un petit peu autour de toi et tu vois des petites traces sur le sol, des gouttelettes. Un peu brunâtre comme ça, des gouttes qui ont l'air de venir soit d'en bas, soit d'en haut, tu sais pas trop, mais qui sont dans les escaliers à l'heure actuelle. À toi de voir si tu continues effectivement ton chemin vers ta chambre, évidemment. Je suis pas sûr qu'elles viennent d'en bas ou d'en haut. Non, elles sont là dans les escaliers. Quelqu'un a l'air d'être passé, d'avoir fait dégouliner quelque chose. Tu ne sais pas trop s'il y a personne monté ou descendait. Tu peux peut-être faire, si tu veux, un test de survie pour essayer d'estimer l'orientation. Je vais essayer d'estimer et en même temps, je vais prendre un mouchoir de ma poche et puis je vais prendre un petit peu le liquide et je vais essayer de le sentir, voir s'il y a quelque chose. Donc survie, s'il te plaît. Survie. Okay. Attends, j'ai combien ? Ah non, c'est beaucoup quand même. Ça serait beaucoup de points. Beaucoup de points, mais vas-y, je le tente quand même. Il faut. Je vais prendre. J'ai fait combien exactement ? T'as fait 38, il faudrait dépenser 28 points de chance. 28 points de chance ? Allez, vas-y. On est joueur. On est joueur, très bien. J'ai 50, j'arrive à. 25, 23... C'est 22. Ça, dans ces eaux-là. Okay. En mettant un petit peu de ce liquide sur ton mouchoir et en le sentant, tu as immédiatement un mouvement de recul, ça sent vraiment de la putréfaction. Et de l'orientation des gouttes, tu as la sensation que la personne venait d'en haut et se dirigeait vers le bas. D'accord. Les gouttes, par contre, plus tu descends, plus elles ont l'air d'être de plus en plus éloignées. T'as la sensation que plus ça allait, moins ça goûtait, en fait, foncièrement. D'accord. Ok. Et ça s'arrête jusqu'où ? Bah, tu les suis vers le bas, le haut, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, je les suis d'abord vers le bas. Vers le bas ? Ok. Ouais. Au bout d'un moment, ça devient de plus en plus difficile de réussir à les suivre. Là où tu perds la trace, c'est à peu près au niveau de la réception. Ça s'arrête à la réception. Ça s'arrête pas très loin de la réception. Ouais. T'es passé devant et tu trouves peut-être encore une goutte à côté et c'est tout. Ok, je regarde, j'essaye de voir un petit peu, je zone un peu, voir les gens qui sont là. De là où t'es, tout ce que tu vois, c'est Cleveland qui est en train de regarder un petit peu la scène. Tout va bien, Monsieur Wayland ? Bien sûr. J'essaie de regarder un peu les gens qui peuvent passer et qui... Bien sûr. Si je peux vous aider, n'hésitez absolument pas. Ne vous inquiétez pas. Allez. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Autour de toi, pas grand monde. Là, en ce moment, c'est très très calme. Ok. Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de ça? Est-ce que tu restes là où tu es? Est-ce que tu essayes autre chose? Avez-vous, à tout hasard, avez-vous vu quelqu'un passer récemment? Oui, ma foi, il y avait Monsieur Carter qui semblait un tout petit peu pressé, mais au-delà de ça, non. Là, pour l'instant, c'est relativement calme. Maintenant que prince, le roi est passé, c'est beaucoup plus calme désormais. Enfin, jusqu'à la fête, en tout cas. À quelle heure a lieu la fête, d'ailleurs? La fête, donnez-moi un instant, je vous dis ça tout de suite. Alors, Cleveland le saurait tout de suite, c'est le MJ qui le sait pas tout de suite, excuse-moi. J'y suis presque. Ah, ça sert à quoi que je prenne tellement de notes? La fête sera aux alentours de 20h ce soir. Bien. Donc n'hésitez... Alors, je sais que c'est une fête qui est assez sélecte, si vous me permettez le terme. Maintenant, peut-être qu'en négociant un tout petit peu avec Monsieur Belair, il y a peut-être possibilité de s'arranger. Si cela est pertinent vis-à-vis de votre investigation, bien sûr. Bien sûr. 21h, pardon, j'ai pris le mauvais document, 21h. Les gens sont toujours en retard au Caire, vous savez. Pas de soucis, monsieur Cleveland. Eh bien, merci pour ces informations. Avec plaisir, monsieur Wayland. Passez une bonne après-midi. À vous aussi. Et puis, je repars dans le sens inverse des gouttelettes. D'accord. Donc, en les remontant, c'est beaucoup plus facile pour toi de réussir à suivre leurs traces. Elles sont de plus en plus nombreuses à mesure que tu continues à monter. Elles ont l'air de venir du deuxième étage, où tu réussis à les suivre à peu près jusqu'à la chambre 362. Okay. Dont émane une odeur assez désagréable également. Si tu as besoin de prendre des notes, tu me le dis, comme ça je peux la déplacer... Ouais. Pendant ce temps, Henriette, Spencer et Andrew. Oui. J'aurais une question pour Spencer. Vous avez des notions de médecine, d'accord? Un diplôme de docteur, de médecin? Alors, pas tout à fait. Alors, la parapsychologie n'est pas un domaine de la médecine. Ce qui n'empêche, j'ai un doctorat, mais pas en médecine. C'est un titre, plutôt un titre honorifique, on va dire. Disons que j'ai su convaincre les bonnes personnes au bon moment que c'était un domaine qui valait qu'on investisse au niveau de la recherche, dans le but d'atteindre certains résultats et potentiellement de pouvoir en avoir l'utilité. Mais voilà, après des réelles compétences en médecine, oui, j'ai des notions. J'ai quand même fait quelques études, le corps humain m'intéresse, donc j'ai quelques capacités dans le domaine, mais je ne suis pas un médecin diplômé de la faculté de médecine. Laissez-moi vous faire part, à vous et à Henriette, d'une de mes réflexions. Étant donné que... il y a toute cette histoire par rapport aux assiettes et par rapport à tout ce qui semble arriver à certaines personnes dans le bâtiment, et qu'apparemment cela est plus ou moins arrivé à Henriette après que nous ayons mangé, peut-être que les nourritures pourraient être empoisonnées et créer des effets hallucinatoires sur un grand nombre de personnes. Eh ben, si c'était empoisonné, je serais déjà morte. Non, hallucinatoire. Bah, depuis que vous êtes ici, j'ai jamais halluciné. À part peut-être quelques cauchemars, mais sinon, rien. De là, ce qui est très intéressant avec les hallucinations, c'est que bien souvent, la personne ne se rend pas compte qu'elle hallucine. C'est peut-être vous, en fait, qui me donnez des hallucinations. Ah, peut-être. Je fais cet effet-là à bon nombre de fans. Votre théorie est intéressante, Andrew, et elle peut, sur un...
sur certaines, certains faits qu'on nous a rapportés, elle est peut-être tout à fait valide, mais il y a quelque chose qui me fait dire que cela va au-delà. J'ai moi-même fait l'expérimentation de la vaisselle qui était devenue poreuse et fragile après avoir été touchée, et je n'avais pas encore mangé mais peut-être que dans cela le restaurant. Est dû à la nourriture, qui a un certain produit qui, avec le temps, deviendrait acide et rongerait les matériaux. Et à mouette. Et bien, la mouette, il suffit que certains des cuisiniers aient laissé traîner des restes de plats à l'extérieur. Et cela peut provoquer des comportements non volontaires sur les mouettes. Hors RP, est-ce que le cinéma existe ? Alors oui, pas en l'état où on est là actuellement, évidemment. Oui, c'est des gros projecteurs. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tu sais même qu'il y a justement la projection d'un film prévu pour le lendemain. C'est apparemment un des événements importants de l'hôtel. Pardon, excusez-moi. Est-ce que les films d'horreur existent ? Alors oui, ils ne sont pas aussi élaborés et gore que là, à l'heure actuelle. Mais des films effectivement à tendance un petit peu horrifique existent, oui, tout à fait. Oui, ils sont même. Est-ce que du coup, les films d'horreur où tu vois des oiseaux qui se fracassent contre la maison qui est hantée, est-ce que ça existe du coup ? Pas encore. Pas encore. Oh, merde. Là pour l'instant, au niveau des films d'horreur, ils sont plus sur des sujets un petit peu plus, comment dire, très ésotériques, tu vois, des monstres, des vampires, des sorcières, des trucs comme ça. Mais pas forcément sur le côté vraiment très mise en scène, etc., du fait des problèmes de moyens, quoi. Moyens techniques, je veux dire. Bon, bah, du coup, désolé de vous avoir dérangé. Mais si ça se trouve, Henriette est à l'origine de Hitchcock, qui a inventé des oiseaux, hein. C'est tout à fait possible. Mais votre théorie est intéressante, Andrew, et en tout cas, elle mérite qu'on se penche dessus. Très clairement. Tout ce qui la justifierait, les sueurs froides, ça peut être dû à une intoxication alimentaire, cette espèce de produit visqueux, noirâtre, peut-être des déjections, peut-être des animaux morts, peut-être toutes sortes de choses. Cette odeur que nous avons sentie aussi dans l'ascenseur, de la nourriture faisandée. Vous avez fait la guerre ou pas? Eh bien, c'est une question. Attends. Note l'absence de réponse, très intéressante. Je ne sais pas si ça vient du RP ou pas. Dans tous les cas, c'est très révélateur. Alors, du coup, franchement, c'était pas fait exprès, mais. Demandons à Cleveland de. Malheureusement, je n'étais. Je t'occupais à d'autres occupations pour faire la guerre. Vous non plus, j'imagine, votre état... Mon mari était soldat, j'étais femme de soldat, d'accord ? Alors on juge pas, et déjà, les trucs de putréfaction des machins, vous avez jamais senti un cadavre ? Donc c'est officiel, Henriette vient du Nord-Pas-de-Calais, quoi. Et votre mari devait être très jeune s'il a fait la dernière guerre. Car... J'ai 72 ans, monsieur. Oui, et la dernière guerre, c'était il y a à peine quelques années, donc je doute que l'armée ait recruté des personnes de plus de 70 ans. Eh bah, ben, si, tous les hommes de... pour le coup, il... Après, il y a les petits-enfants aussi. Hein. Et moins, c'est possible. Mmh. Ah oui, la guerre étant mondiale, ils recrutaient ceux qu'ils pouvaient recruter. Hein. Mais voilà. Clairement. Donc, les gens qui n'ont pas fait la guerre et qui ont fui... On pose pas des questions comme ça. Je n'ai pas fui la guerre, rassurez-vous. Que... Bien sûr, oui. Soutex, elle vient de te traiter de lâche. C'est exactement ça. Si vous saviez. Oui, donc du coup, tout ce qui est odeur, machin, vous avez jamais connu les odeurs de putréfaction d'animaux, d'insectes, d'humains. Sachez que j'ai lavé ma grand-mère jusqu'à sa mort. Donc les odeurs de putréfaction, je les connais.
Donc, vous avez tué votre... Enfin, vous avez laissé votre grand-mère dans son lit. Est-ce que je comprends ? Pas trop loin. Pas trop loin. Pendant que cette... est-ce que... D'ailleurs, est-ce que cette conversation, vous la tenez dans la chambre ou bien vous faites doucement chemin vers, vers le... l'accueil ? Ah, mais le chemin vers l'accueil, je suis avec mon déambulateur. Oui, voilà, ça prend juste un peu de temps pour y aller, quoi. Très bien. À l'accueil, moi, je vais demander à Cleveland Clinton s'il peut nous donner accès aux réserves de nourriture et de boissons de l'hôtel, parce qu'on voudrait investiguer, et qu'il nous donne la liste des personnes qui ont accès. Ah, alors, ça, c'est une information que je n'ai pas, moi, personnellement. Mais en revanche, vous pouvez très certainement demander à M. Mahatni le cuistot. Et il est plus en mesure de vous répondre là-dessus. Je vous invite à aller le voir. Il est à la cuisine, en général. Et les réserves, enfin, là, vous stockez la nourriture. Il y a un sous-sol. Il y a un sous-sol, oui, tout à fait, qui est accessible depuis la cuisine. Depuis la cuisine, d'accord. Tout à fait. Très bien. Allons faire des cookies. Cela continue de se corroborer, mon ami. Alors que vous commencez que vous prenez congé de Cleveland, vous voyez une autre personne commencer à se rapprocher de l'accueil pour visiblement s'enregistrer à l'hôtel. C'est manifestement un homme, un local. Par contre, vous voyez que toute la moitié gauche de son visage est complètement déformée par des brûlures. Il a la moitié gauche du visage complètement calcinée. Il se présente à Cleveland. Bonjour. Il doit y avoir une réservation au nom de Faraz Najjar. Oui, tout à fait, monsieur Najjar. Laissez-moi un petit instant, je vais vous chercher votre clé. Il commence à chercher un petit peu dans ses documents. Ah, voilà, c'est bon, j'ai la réservation. Voici. Chambre 487. Passez un bon séjour au sein de Lady Shepherd. Merci. Il lui donne sa clé et le monsieur vous fait juste un petit signe de la tête en passant. Et il se dirige vers l'ascenseur. Pendant ce temps-là, vous arrivez au niveau de la cuisine. Vous voyez... Une pièce en pleine ébullition. Ils sont en plein rush pour préparer toutes sortes de goûters, de snacks, de dîners d'hiver pour ce soir et très certainement pour la fête également. Et l'homme qui semble un petit peu en charge de tout ça est un homme arabe dans la cinquantaine, un peu plus peut-être. Oui, bonjour, qu'est-ce que... Excusez-moi, on n'a pas encore servi les plats. Nous faisons au plus vite, promis. Non, nous ne venons pas nous faire des cookies. Des cookies. C'est vous qui êtes en charge de la cuisine ? Tout à fait. Il s'approche de toi, il s'essuie un petit peu la main sur son tablier et te tend la main. Mustapha Ibn Bahatni, enchanté. Enchanté, je lui serre la main, donc docteur Phillips. Vous êtes au courant, bien sûr, de tous les événements un peu particuliers et désagréables qui ont frappé l'hôtel ces derniers jours. Oui, j'en ai entendu parler, malheureusement. C'est quand même triste pour un hôtel aussi prestigieux d'avoir une telle réputation. Avez-vous noté quelque chose de particulier au niveau de la nourriture ou des boissons, peut-être des odeurs qui sont inhabituelles, un changement au niveau des artisans qui vous livrent la viande, est-ce qu'il y a eu des choses vraiment particulières ces derniers jours qui pourraient peut-être expliquer une partie des phénomènes? Alors, monsieur Phillips, c'est ça? J'espère que vous n'êtes pas en train d'insinuer que notre cuisine est à l'origine de ce qui est en train de se passer. Nous faisons un travail absolument exemplaire et défaut de tout... libre de tout défaut. Vous êtes libre d'inspecter, évidemment. Tu sens qu'il a été un peu vexé. Alors,
le 1, ne le prenez pas personnellement, parce que sinon, c'est pas vous que je serais venu voir. Mmh. Certes. Et de 2, comprenez bien que ces choses-là, si elles ont lieu, c'est-à-dire que si la nourriture a été trafiquée, modifiée de façon à incommoder les gens qui sont dans l'hôtel, on ne sera pas venu vous voir avant pour vous le dire. Mais peut-être que vous avez noté quelque chose qui vous a peut-être paru insignifiant sur le moment, ou sur lequel vous avez dit « Oh bah non, après tout, c'est rien », mais qui peut-être a son importance. Mmh. Ah, excusez-moi, je suis un peu à cran avec tout ce qui se passe. Non, ma foi, au niveau de nos fournisseurs, nous sommes restés sur les fournisseurs habituels. T'entends derrière toi un gros clunk et tu vois qu'il y a un des cuisiniers en train de dépecer un agneau là. Nous faisons toute la nourriture le jour même, en général avec de la nourriture toujours fraîche. On met un point d'honneur à ce que la nourriture soit toujours aux petits oignons, si vous m'expliquez, si vous m'excusez le terme. Au-delà de ça, non, nous n'avons pas grand-chose de très. Moi personnellement, j'ai rien remarqué de particulier. Après, je suis en charge un peu de toutes les personnes, les petites mains, on va dire, de l'hôtel. J'ai rien constaté de particulier, pas de nouvelles embauches, pas de nouvel artisan. Si vous voulez me suivre, je peux vous montrer le garde-manger si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Bah, avec plaisir. Il t'emmène dans. Enfin, il vous emmène, j'imagine que vous suivez les autres. Jamais, je t'avais envoyé un. Ah, AFP. Pardon. Je regarde ça de ce pas. Pendant que toi, tu prends possession un petit peu des fourneaux pour commencer un peu ta préparation de cookies, les gens de la cuisine t'ont croisé suffisamment pour savoir que ça sert à rien de d'essayer de râler et de dire quoi que ce soit. Tu as décidé de faire tes cookies, tu feras tes cookies en gros. Donc, tu commences ta préparation. Coup, en même temps, j'écoute quand même les conversations des cuisiniers. Ah, alors on va revenir vers toi tout de suite après. Ouais, pendant ce temps-là, vous trois, vous êtes menés par Mahadni dans les escaliers. Il descend dans une espèce de pièce assez sombre, en fait, en sous-sol. Aucune fenêtre, aucune aération quelconque, en fait, mais par contre très très grande. Un grand garde-manger dans lequel vous voyez toutes sortes de, comment dire, de bouteilles de différents types d'alcool. Vous y trouvez des conserves, vous y trouvez des légumes. Mais vraiment toutes sortes de choses à l'intérieur de ce bâtiment, enfin de cette pièce en elle-même. Vous voyez que sur le côté, il y a un petit couloir qui a l'air de s'enfoncer un peu plus en profondeur dans le. Comment dire, un peu plus en profondeur, quoi, tout simplement. Au-delà de ça, c'est à peu près, voilà, c'est du riz, des épices de toutes sortes, enfin. Tout ce que tu pourrais t'attendre à voir dans une cuisine. Mais alors, par contre, ils ont de quoi faire. Hein. Ils ont vraiment un bon gros stock dans ce garde-manger. Pas d'odeur suspecte. D'odeur suspecte. Fais-moi un petit test. Alors, celui-là, il n'y a pas de test de sentir sur celui-là. Je vais dire, fais-moi un test de survie. Allez, ça va compter comme survie pour moi. Je veux bien l'aider. À sentir. Mmh. Fait. Très bien. Non, a priori, à part le côté peut-être un petit peu humide de la pièce, pas d'odeur trop particulière là où tu es. Tu as même un peu une odeur des cuisines qui descend un petit peu des escaliers. Tu vois, c'était quand même 20 mètres de marche à peu près que vous avez dû descendre avant d'arriver dans la pièce. Non, pas spécialement d'odeur un peu bizarre. Dites-moi, au fond du couloir, là, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ça, c'est un vieux reste, ça. C'est, comment dire ? Le Shepherd a été construit, en fait, sur un vieux... Sur les combles d'un ancien bâtiment, en fait. Et du coup, c'est un vieux reste de ce qu'il y avait avant que le Shepherd ait été construit. Vous voulez visiter ? Avec plaisir. Dites-moi, Spencer, ne devrions pas nous pas prévenir notre ami. Si vous le souhaitez, oui. Je vous attends ici. La flemme de remonter. Alors que vous
vous descendez un petit peu dans les escaliers. Il fait, faites attention, les escaliers ici sont un petit peu plus fragiles, on les pratique absolument jamais. Vous arrivez dans une pièce qui, elle-même, est assez vieillasse. Tout ce que vous voyez ici est vieux et ancien, mais même assez bien ouvragé au niveau des murs. Vous voyez que les pierres en elles-mêmes sont très fines, bien taillées, etc. Vous voyez que de part et d'autre de l'escalier, vous avez des espèces de colonnes ornementales qui font une espèce d'arche en fait autour de la porte. Et vous voyez en fait des tas de fûts circulaires qui ont des petits motifs de plantes diverses et variées. C'est assez joli. Ça fait vieillot, très clairement, mais c'est assez joli. Est-ce que ça peut faire penser de près ou de loin à ce que nous a décrit Henriette ? Un petit peu, mais de ce qu'elle a décrit, par contre, c'était des dizaines de colonnes, en fait. Là, le fait qu'il y ait juste ces deux petites colonnettes de part et d'autre de la porte, ça n'a pas l'air d'être ça. Mais ce style-là, ça pourrait être ça, oui, effectivement. Et est-ce qu'on peut passer la porte ? Ah oui, c'est pas une porte qui est fermée en tant que telle. C'est vraiment juste une ouverture dans la roche. D'accord. Voilà. J'aimerais, avant d'entrer, savoir si ça a un style particulier, reconnaissable, historique, ou... Alors, plus vraiment sur... comment dire ? L'époque ? Ouais. Fais-moi tes histoires, s'il te plaît. Difficile à dire. Ouh. Ok. Ça a pas l'air d'être de l'Égypte ancienne, en tout cas. Ça date probablement de un siècle ou deux, à peu près. Les motifs représentent quand même des trucs culturels égyptiens, mais la pièce en elle-même est beaucoup plus récente, en soi. Donc, il vous montre un petit peu la pièce. Il fait, vous voyez, là, il y avait une petite... chambre de réflexion qu'on a laissé un petit peu à tel quel. Là, des escaliers qui descendent vers un petit temple. Là, on ne sait pas trop. En fait, tout s'est un petit peu effondré, donc on ne sait pas trop. Oui, enfin, du moins, c'est ce qu'on suppose que ça a été. Il vous emmène par des petits escaliers qui continuent. Et vous arrivez dans une petite pièce, vraiment assez petite, où vous voyez en fait des gravures égyptiennes sur les murs. Étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de mobilier ici, et qu'il y avait surtout des gravures avec des effets un petit peu religieux, on a supposé qu'il s'agissait d'un temple. Après, si vous êtes un peu plus spécialisé, nous, on est preneurs de toute information. Mais ces gravures, vous êtes capable de les interpréter ? Non, là, c'est pas des... Alors, nous connaissons suffisamment bien un peu le langage pour savoir que ça... C'est pas vraiment du texte à proprement parler, c'est plus des décorations, en fait. C'est plus des effets esthétiques, plus qu'autre chose. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, pendant que vous êtes en train d'explorer un petit peu les sous-sols, Henriette, est-ce que tu pourrais, si tu veux bien, me lancer un D8, s'il te plaît ? Profitons de la petite musique d'attente en attendant. Il y aura une petite musique d'ascenseur en fait. Ah, très bien. Tu profites un petit peu de tes cookies pour écouter un petit peu tout ce que se racontent les cuisiniers entre eux quand les gens regardent pas trop. T'en entends un qui dit... Alors, tu sais pas ce que j'ai entendu une bonne femme raconter hier ? C'était improbable. Je te le dis tel qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, moi hier soir dans ma chambre, j'ai la lampe de chevet qui arrêtait pas de s'éteindre et de s'allumer. Et même après l'avoir débranchée, elle continuait de clignoter. Alors bon, moi je me suis un peu inquiété, je suis sorti. Et sur le palier, toutes les lumières faisaient pareil. Mm-hmm.
Et l'autre qui fait, non, mais elle raconte n'importe quoi. Elle fait, non, mais je te jure. Et elle m'a même dit que du coup, elle a regardé un peu le couloir et tout ça. Et au bout du couloir, il y avait un type habillé en noir et qui la regardait bizarrement, fixement dans les yeux comme ça. Ben non, mais sérieux. Non, je te jure, je te jure. Et en fait, elle s'est retournée pour retourner au pieu. Et en se retournant, il était juste devant elle. Mais juste devant elle. Il l'a regardé comme ça dans les yeux quelques secondes et il s'est barré. Comme ça. Franchement, bon, moi je me suis dit, elle a un peu abusé du vin, tu vois, mais elle avait l'air convaincue de ce qu'elle racontait, quoi. Ah, vache, ça craint quand même si... Tu crois que ça vient de quoi? Bah, je pense qu'elle a un peu trop bu. Hein. Mais après, ils aiment bien faire la fête ici. Hein. Ah, t'as pas tort. Voilà en gros ce que tu les entends raconter. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre par rapport à ça ou tu continues tes cookies? Je vais quand même essayer d'inspecter la cuisine. Mmh. Ça marche. Tu cherches quelque chose de particulier? Non. Très bien. Fais-moi un test de trouver objet caché alors. Non, la cuisine a l'air normale et même plutôt propre pour une cuisine, en fait, foncièrement. Pour une cuisine d'hôtel, franchement, ça va. Ok. Écoute, je vais prendre la direction de là où ils sont partis. D'accord. Tu profites que tes cookies sont en train de cuire tranquillement au four pour aller rejoindre tes camarades, en fait. Ouais. Ça marche. L'escalier est un petit peu tortueux. Attention, c'est pas hyper facile pour toi avec ton déambulateur de descendre tranquillement. Mais tu les rejoins. Je lance des jurons en même temps que je descends. Tu lances des jurons? Ok. Vous autres en bas, en train de visiter un petit peu les sous-sols, vous entendez le clink, clink, clink du déambulateur de Henriette, suivi de masses de jurons. Il y a Mahani qui se tourne immédiatement. Mademoiselle Henriette, arrêtez, vous allez vous faire mal, voyons. Madame Attendez, Henriette. Madame Henriette, excusez-moi, vous aviez l'air tellement jeune, je préférais vous appeler mademoiselle. Laissez-moi vous aider au moins. Il te tend un bras pour t'aider à descendre. Ça va être compliqué, je suis en déambulateur. Très juste, veuillez m'excuser pour ce faux pas. Vous faites exactement la même erreur que ce monsieur-là. Ah, bon, ça me rassure de ne pas être le seul. D'ailleurs, Henriette, vous n'avez pas vu Arthur? Ah, il a dit qu'il allait se reposer. On va y revenir, justement. Vous autres, est-ce qu'il y a juste quelque chose que vous vouliez visiter, vérifier, etc., dans cette pièce-là encore? En vrai, essayer de... regardez si jusqu'où le temple va. Enfin, c'est juste une pièce. Si jamais on voit pas, je sais pas, il y a pas de moisissure, si c'est pas poreux, c'est des murs porteurs. fais-moi un test de trouver objet caché, s'il te plaît. Tout pile, bien joué. Non, en soi, pas de traces de moisissures ou de champignons ou de trucs comme ça. Après, tu vois aussi que cette pièce-là, manifestement, est pas très souvent fréquentée. Il y a une forte couche de poussière, en fait, au niveau de cette pièce. Autant au niveau du garde-manger, il y a pas mal d'allers-retours. Autant là, au niveau de cette salle-là, très peu de traces de mouvement. Est-ce que moi je reconnais les colonnades? Ouais. Est-ce qu'il y a potentiellement un scarabée? Alors parmi les différentes gravures ornementales que tu as sur l'espèce de mini-temple, oui, il y a des scarabées qui sont présentés un peu ça et là, qui étaient quand même des figures assez courantes en fait dans tout ce qui était égyptien. Pour autant, il n'y en a pas forcément... Tu remarques en tout cas qu'il ne ressemble pas exactement aux bestioles que tu as vues, toi. Ça a l'air encore un tout petit peu différent. C'est beaucoup plus proche que la simple blatte, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Ok. Il y a d'autres sous-sols comme ça dans le bâtiment? À part ma connaissance, non. Le seul que l'on ait, c'est vraiment pour le garde-manger. Hein.
Rien du tout du côté de l'aile sud-est. Sud-est ? Non, pas à ma connaissance. En tout cas, si c'était le cas, on nous aurait tenu au courant. Parce que je ne vous cache pas qu'il y a des fois, on est un peu en manque de place quand même. Donc si vous pouvez passer le message à M. Belair, ce sera avec plaisir. J'observe un peu ces fameuses gravures là qui sont au mur. Parce que, bon, le côté purement décoratif, sans rien derrière, j'ai un peu du mal. J'essaye de voir si ça raconte pas une histoire ou s'il n'y a pas des symboles quand même qui ont l'air d'aller ensemble pour essayer de voir s'il n'y a pas un sens quand même quelque part là-dedans. Alors, je ne crois pas que tu aies de compétences en égyptologie ou des trucs comme ça. Tu as archéologie, effectivement, mais c'est assez, ouais, assez pointu. Disons que tu peux essayer avec histoire, si tu veux. Ce sera un peu moins précis. Difficile à dire. Là, c'est vraiment des symboles d'une culture avec laquelle toi, t'es pas familier. Malheureusement, pas beaucoup plus d'informations là-dessus. Il y a Mahani qui, tout doucement, commence un peu à tourner en rond. Est-ce que vous avez vu ce que vous avez à voir ? Parce que je vous cache pas qu'on a une grosse fête à préparer et je serais un peu plus serein si je pouvais retourner travailler. Alors, sans problème, merci. On a pris quand même beaucoup de votre temps. Juste, on a engagé quelqu'un pour nous accompagner un petit peu en ville et pour parler aux gens et tout ça, parce qu'on n'est pas très familier de la culture et de la langue. Est-ce que vous nous autorisez à repasser par le souterrain avec cette personne pour lui montrer cet endroit ? Ah oui, bien sûr. Alors, il faudra que je vous accompagne, évidemment, pour des questions d'assurance et tout ça, mais sinon, aucun souci, oui. Allez, très bien. Merci beaucoup. Très bien. Passez une bonne journée. Il vous réamène dans la cuisine où les cuisiniers ont fini de préparer leur agneau. L'odeur de cookies qui émane de cette cuisine est absolument délicieuse. T'as la sensation qu'ils sont quasiment prêts. Tu pourrais même les retirer maintenant, ils seraient très bons. Bah écoute, je les retire maintenant. Très bien. Tu as donc un magnifique stock de cookies tout chaud à ta disposition. Tu vois que d'ailleurs, il y a certains des cuisiniers qui regardent ça avec un petit peu de... Oh, ça a l'air bon, ça. Oh. Bah, je leur tends, du coup. C'est vrai, merci. Oh, merci, madame. Merci, franchement. Merci. De rien. Ils prennent un cookie, tu vois, ils retournent à leur tâche, c'est tout content. Ouais. Ouais. Mais du coup, nous, on n'est pas invités à la soirée. Alors, tu demandes ça à l'un d'entre eux ou à moi ou à qui ? À toi, pardon, hors RP. À moi ? Hors RP, non, vous n'avez pas d'invitation pour cette fête-là, apparemment. C'est une fête exclusive. En tout cas, vous n'en avez pas demandé. Hors RP ? Est-ce que Henriette a fait le lien entre ce que les deux cuisiniers se racontaient et moi l'expérience que je leur ai racontée du gars dans le couloir qui disparaît, qui réapparaît? Parce que je leur avais raconté ça à mes collègues. Du coup, est-ce qu'Henriette a fait le lien? Tu nous l'avais dit? Ouais. Oui. Moi, je m'en souviens pas. Ouais, c'est la vieillesse. J'en conclus que Henriette n'a pas fait le lien entre les deux. Bon. À toi de voir, Henriette, après, si tu parles des rumeurs que tu entends avec tes collègues ou pas. J'attends qu'on sorte de la cuisine pour le raconter, du coup. Ça marche. Quand vous sortez de la cuisine, d'ailleurs, vous entendez qu'il y a un petit peu de remue-ménage au niveau de la réception. L'entendu. À tes souhaits. Comment ça ? J'ai éternué. Ah, pardon. Éternuer, ça va te défoncer les oreilles. Ah, j'ai tellement pas l'habitude de pas entendre quand t'éternues, ça fait bizarre. Ouais, donc en sortant de la cuisine, vous entendez juste qu'il y a un petit peu de remue-ménage au niveau de la réception. Mais du coup, tu débriefes un peu avec tes collègues de ce que t'as entendu. Dans ce cas-là, Philippe, je pense que tu fais le lien, effectivement, dans ta tête. Je retourne en marchant d'un pas très vif
dans la cuisine. Mmh. Et je demande aux deux qui étaient affairés en cuisine à quelle chambre était cette fameuse personne. La dame qui a eu ses problèmes, ouais, là ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ah, oui, alors attendez voir. Où est-ce qu'elle était, elle, déjà? Tu vois qu'il commence à prendre, à réfléchir un petit peu, alors que le MJ réfléchit aussi. De mémoire... Merde, je me souviens plus. Demandez à Cleveland, dites-lui qu'il s'agissait de Madame Jennings, Madame Mary Jennings. Demandez-lui, il aura l'information. Et remerciez encore la madame pour les cookies, ils étaient vraiment, vraiment très bons. Je les écoute même pas parler des cookies, je trace. Mm-hmm. Je fais même pas attention à mes collègues, je trace à l'accueil. Et mm-hmm. je demande le numéro de la chambre à Cleveland en lui disant que c'est d'une importance capitale. Et tu vois que Cleveland, là, il a un air extrêmement gêné. Il est en train de s'occuper d'une personne qui a également tout un cortège avec lui de suivant. Je suis vraiment désolé, je suis obligé de m'occuper de l'Aga Khan. Je suis à vous tout de suite, c'est promis. Il commence à terminer avec « Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment désolé de vous avoir interrompu. C'était pas un manque de respect. Pardon, bravo, merci, monsieur, etc. » Tu vois qu'il semble avoir un gros respect pour la personne qu'il a en face de lui. Pardon, voilà, je suis à vous. C'était... Alors, la madame, elle disait que c'était au niveau des chambres 150... Non, 250 quelque chose. Je crois que madame, elle était aux alentours de la 260, si je me souviens bien. Comment ça, elle était... Elle est plus dans l'hôtel, elle a quitté l'hôtel après avoir fait un peu sa excusez-moi le terme, sa crise de nerfs. Elle a quitté immédiatement l'hôtel parce qu'elle trouvait que c'était un lieu malsain. Vous savez pas où elle serait allée? Ah, très certainement, je suppose à l'aéroport. Maintenant, je saurais trop vous confirmer. Laissez-moi vérifier si j'ai ses papiers. Il commence à regarder un petit peu dans ses calepins. J'ai un numéro de téléphone, si vous le souhaitez. Ah bah, pourquoi pas. Très bien. Il te donne un numéro de téléphone. Ça a l'air d'être un numéro londonien. Elle est partie il y a combien de temps? Oh, elle est partie il y a 3 jours maintenant. Elle a pu potentiellement arriver. Bah, je vous remercie, mon cher Cleveland. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Il te reconfirme, pardon, que c'était là. C'était pas à 260, c'était à 250. Pardon. Il y a un téléphone, je suppose, dans l'hôtel. Tout à fait. Là où tu aurais le plus de chances de pouvoir passer ton coup de fil, ce serait très certainement soit au niveau de la conciergerie, soit au bureau des télégraphes et des postes, justement. D'accord. Bah, écoute, je vais au bureau des télégraphes, ça me paraît le plus cohérent. Ok, ça marche. En arrivant là-bas, tu vois une jeune femme, la quarantaine. Elle est en train de se curer un petit peu les ongles et tout ça. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? J'aurais besoin de contacter ce numéro à Londres, s'il vous plaît, c'est urgent. Bien sûr, donnez-moi un petit instant, je vais regarder ce que je peux faire. Blablabla. Oh, oula, il va être tôt chez eux. Encore que non. C'est quoi le fuseau horaire à Londres par rapport à nous? C'est pas très éloigné, si? Oh, je sais plus. J'arrive jamais à retenir. Vous savez, on a des clients du monde entier, c'est très compliqué. Non, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, ça ira. D'accord. Ah bon, bah, tant mieux, je voudrais pas gêner les gens. Bougez pas, je... Voilà. Et elle t'amène vers une espèce de téléphone. Ce sera sur la facture de quelle chambre pour l'appel international? La 182.
Très bien, c'est noté. Il te sort le téléphone, tu tombes sur une opératrice, puis une autre pour passer en fait en, entre guillemets de câble en câble pour réussir à arriver jusqu'au numéro de téléphone. Ça sonne. Deux fois, trois fois. À la quatrième, il y a quelqu'un qui répond. Oui, allô ? Madame Jennings ? C'est moi-même. Voilà. Je m'excuse de vous déranger, je suis le docteur Spencer Phillips. Je réside actuellement à l'hôtel Shepherd. Dont vous êtes oh, pauvre de vous. Il y a quelques jours. Bah, justement, nous enquêtons quelque part sur, sur les fâcheux événements qui ont lieu ces derniers temps. Est-ce que vous auriez quelques minutes à me consacrer ? Ma foi, oui, si ça peut vous permettre de vous éviter ce genre de problème, avec joie. Dites-moi. Vous aurez raconté au cuisinier un événement indésirable dont j'ai moi-même été témoin. Donc, sachez que je prends tout à fait au sérieux ce que vous avez vu. Vous avez vu le même homme ? Ben, je pense. En tout cas, dans des circonstances similaires, et la description semble être identique. Quand vous avez vu un homme habillé en noir avec une mine patibulaire. J'en reviens pas qu'il soit encore au Shepherd, cet homme-là. C'est pas possible. Oui, effectivement, il était habillé en noir avec un chapeau ou une cravate. Après, patibulaire, je sais pas si c'est le bon mot. Il était juste bizarre dans son attitude. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez m'expliquer vraiment avec vos termes la rencontre que vous faisiez, comment vous l'avez vu, comment il est parti, voilà. Ah bah vous savez, c'est très simple. Moi, j'étais dans ma chambre. J'ai la lampe de chevet qui commençait à clignoter. Je me suis dit, bon, allez, elle a un problème, je débranche. Débranchée, elle continue à clignoter, croyez-moi. Donc, moi, forcément, je vais me plaindre auprès de la direction. Et en sortant, je vois au bout du couloir, tout le couloir, il faisait pareil. Toute l'électricité était complètement vaseuse. Je pense qu'ils ont vraiment un problème électrique dans ce bâtiment. Et au bout du couloir, il y avait cet homme-là. Et il était debout, comme ça, tout droit. Et il me regardait droit dans les yeux. Et il avait vraiment un côté très rigide. Vous voyez, dans son attitude, il ne bougeait pas trop. Et il s'est tourné, mais alors, de façon tellement bizarre, comme un mannequin. Il s'est tourné comme ça, hop, 90 degrés, et il a pris le couloir. Alors moi, je veux dire, après un regard comme ça, vous comprenez bien que j'ai été un peu inquiète. Je me suis retourné, je vais pour retourner dans ma chambre, et qu'est-ce que je vois pas ? Ce monsieur-là était juste en face de moi. Mais alors, à un mètre de moi, pas plus. Et il me regardait comme ça. Et il a rien dit. Alors moi j'ai pas demandé mon reste, hein. J'ai essayé de le contourner un peu, je suis retourné dans ma chambre. Il m'a regardé quelques temps, et puis j'ai juste vu retourner dans le couloir et partir dans l'autre sens. Mais vous devez me prendre pour une folle, mais je sais ce que j'ai vu. Il était au bout du couloir, et là, il était derrière moi. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Son regard, il était... Ses yeux étaient normaux, et oui... Oui, enfin... Pour le coup, c'est assez particulier. Mais vous n'avez pas noté un signe distinctif qui peut-être moi m'aurait échappé est-ce qu'il portait des bijoux ? Est-ce que sa peau présentait aspect... Il avait aucun élément décoratif, ni collier, bague, montre ou quoi que ce soit. Il avait vraiment juste le costume qu'il avait sur lui. Et même, visuellement, c'est pas qu'il avait quelque chose de physiquement particulier, en fait. C'était dans son attitude qu'il était bizarre. Je sais pas comment vous l'expliquer. Il regardait comme s'il regardait à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez ces moments où vous regardez dans le vide et vous vous rendez pas trop compte ? Il avait ce genre de regard. Je sais pas. C'était visuellement, il était comme vous et moi. C'était une personne tout à fait normale. Mais c'était dans l'attitude. Il était malsain. Et quand vous l'avez contourné, vous avez continué à le regarder, il vous a suivi du regard. Est-ce que vous l'avez touché, ne serait-ce que frôlé ? Non. Moi, j'ai fait un grand tour pour retourner à ma chambre. Au début, il me suivait pas du regard. Et en fait, quand j'ai quitté un peu son champ de vision, il s'est tourné tout en entier vers moi.
en fait. Comme s'il avait, je sais pas, un torticolis et qu'il pouvait pas tourner la tête, je sais pas. Et il me suivait comme ça du regard. Alors bon, autant vous dire qu'un monsieur qui vous regarde comme ça, à un mètre de vous, dans un hôtel, et que vous connaissez pas le monsieur, j'ai claqué la porte, j'ai fermé à double tour, et je suis parti le lendemain. Après, bien entendu, avoir fait entendre mon mécontentement. Et quand vous avez expliqué ça à la direction, ils vous ont pas donné d'explication particulière, ils vous ont pas dit « Ah bah tiens, c'est monsieur un tel ». D'après la description que je leur ai donnée, Monsieur Clinton à l'accueil semblait dire que c'était Monsieur Bohr. Maintenant, j'en sais pas beaucoup plus. Autant vous dire que je suis pas allé demander mon reste et aller rencontrer ce monsieur. Vous m'avez déjà apporté une aide très précieuse. Je vous remercie pour votre temps et en espérant que cette mauvaise expérience sera vite oubliée. Je l'espère également. Sans mauvais esprit, passez un bon séjour. Oui, et puis vous passez le bonjour au pays pour moi. Oh, un collègue, avec grand plaisir. Elle raccroche. Je raccroche. Pendant ce temps-là, Arthur, toi qui allais dans ta chambre, qu'est-ce que tu faisais ? J'étais quand même toujours devant la chambre 362, je crois. Mmh. Et du coup, d'abord, je voulais essayer de toc-toquer à la porte. Ok, pas de réponse. Ok, et je vais essayer de clencher. De quoi non ? De clencher, d'ouvrir la porte. Je n'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie. tu tournes sur la poignée. C'est appuyer sur la clenche, donc appuyer sur la poignée. D'accord, là, j'aurais appris clencher et la clenche, c'est parfait. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, je me doute un petit peu. La porte est actuellement verrouillée, enfin fermée à clé. Ok. Du coup, je vais noter le numéro de la chambre et je vais retourner effectivement à ma chambre. Et quand je vais arriver dans ma chambre, je vais essayer de feuilleter mon bouquin des cultes pour voir si je trouve quelque chose dedans. Tu cherches quelque chose vis-à-vis de quelle partie spécifiquement ? Vis-à-vis de ce qu'avait donné Henriette, c'est-à-dire les disques ornés dorés, les scarabées, et voir si c'est un lien avec un des cultes qui est décrit dedans, où il y a éventuellement des créatures tentaculaires qui sont dedans. Très bien. Alors, fais-moi un test d'occulte, je t'annonce tout de suite, il te faudra une réussite extrême pour celui-là. Ok. Oh bordel, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Alors là, chapeau. Ça, faudra le clipper pendant qu'on fait le live parce que c'était grandiose, mec. Pourquoi est-ce qu'il met en critique alors que c'est extrême ? Parce que quand tu fais un 1 sur ton dessin, c'est critique. C'est l'autre pendant que si tu fais un 100 sur ton dessin, c'est une maladresse en fait. C'est un échec critique. Avec une réussite critique, quand même pas mal. Tu as quelques références à des trucs comme ça. Tu as déjà entendu parler, mais de façon très, très officieuse en fait. Ils essaient de pas trop le documenter parce que c'est presque du domaine de la conspiration, des rumeurs, etc. Tu as déjà entendu parler de la confrérie noire. Qui apparemment était assez actif à l'époque de l'Égypte ancienne et qui potentiellement serait encore actif à ce jour. Il existe pas mal de rumeurs par rapport à des personnes importantes. Certains sont des prêtres, d'autres sont des sorciers, d'autres sont des hommes d'influence, etc. Le vrai nom de la confrérie, ce que tu avais lu, c'était la confrérie du pharaon noir. Maintenant, de là à savoir exactement en quoi ils sont impliqués, mais tu sais qu'il y avait vraiment un lien direct avec ce genre d'iconographie dans l'histoire de l'Égypte. Il y a un nom avec une réussite critique qui te revient en tête,
qui est toujours dit à demi-mot auprès de toutes les personnes à qui tu as discuté. Al-Shakti. Al. Attends, du coup, je vais le mettre. C'est Al, A-L, espace. Al-Shakti. S-H-A-K-T-I. Ce nom-là, personne ne te l'a jamais dit à voix haute. Ça a toujours été en mode « je t'ai rien dit ». Avec vraiment une lueur de peur dans les yeux des gens. T'as jamais pu creuser beaucoup plus profond que ça parce que c'est vraiment quelque chose de très secret en soi. Mais c'est ce que ça t'évoque en tout cas. Ok. Ok. Et du coup, par contre, question, vu le bouquin que je suis en train de lire, est-ce que je repère un peu de santé mentale ou pas ? Absolument pas, ça a presque tendance à t'en faire perdre. D'accord. Non, justement, oui, que ça. Mmh. C'est vraiment ici, est-ce que j'en perdais ? Non, là, tu n'en perds pas directement, mais ça te met mal à l'aise par contre. Tu sens que si c'est effectivement lié à ce truc-là, c'est quelque chose qui vous dépasse. Ok. Pendant ce temps-là, vous autres, toi Spencer ayant terminé ta discussion, Andrew et Henriette, pendant que Spencer avait couru au bureau des postes, qu'est-ce que vous faisiez, vous ? Bah en vrai, j'aimerais peut-être me diriger du côté de la direction pour essayer de demander si c'était connu qu'il y avait un temple en dessous, s'il lançait un petit peu plus le directeur là-dessus sur les anciens bâtiments qui étaient là avant l'hôtel. Et en fait, je peux le faire en discussion, ça. Quand tu arrives au niveau du bureau de la direction, Belair n'est pas là. Ah. D'ailleurs, il n'y a personne dans la pièce à l'heure actuelle. On est deux ? Il y a vous deux pour l'instant, il y a Henriette et Andrew. Spencer, lui, il a filé au bureau des postes, il doit être tout doucement sur le retour. Et Arthur est dans sa chambre. Bah, du coup, autant aller au bureau d'administration et agence de voyage qui sont juste à côté et demander « Excusez-moi, est-ce que vous avez vu le directeur ? Nous cherchons à le... » Moi, j'aimerais bien avoir une invitation pour le... Oui, une très bonne idée. D'ailleurs, nous avons entendu qu'il y a une réception ce soir. Nous sommes étonnés d'avoir été conviés. Ah, je ne sais pas trop. À mon avis, vu l'heure, Monsieur Belair est très certainement dans la salle de bal en train de tout préparer. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Bien, nous allons y aller de ce pas. Je vous remercie, ma petite. Avec grand plaisir. Vous rendez par là-bas ? Ouais. J'essaie un peu d'aider Henriette à marcher vite. Ouais, merci. Juste avant de partir, je dis, ma petite, si jamais vous voyez Monsieur Phillips ou Monsieur Wayland, est-ce que vous pourrez leur indiquer que nous allons vers la salle de bal ? Je leur transférerai le message s'ils se présentent, je ne connais pas encore ces personnes. Très bien, je vous remercie. Je lui glisse un petit billet de 1$ que je vais retirer de ce point. Monsieur Phillips et Monsieur Wayland, oui, tout à fait. Je me souviens d'eux, je leur indiquerai. Merci. Vous faites chemin vers la salle de bal, du coup ? Ouais. C'est comme ça que tu dragues. Oh, ça fait longtemps que je ne drague plus. Quand vous arrivez au niveau de la salle de bal, vous y voyez Charles souriant, en train de faire tous ses préparatifs, en train de préparer des tables, des décorations. Vous voyez des dizaines d'immenses pots de palmiers et de plantes tropicales qui décorent partout la pièce. Vous avez des tables d'appoint qui ont été mises en place avec des agneaux rôtis. Ça sent tellement, tellement bon. Vous avez toute une variété de salades, des pâtisseries arabes sur des nappes brodées avec plein de couleurs. C'est splendide. Vous voyez tellement presque des milliers de bougies illuminées, tout plein de tapis persans sur les murs. Enfin, c'est richement, richement décoré avec vraiment une grosse thématique jungle, entre guillemets. Vous y voyez d'ailleurs pas mal d'animaux vivants. Des serpents, des perruches, des perroquets. Vous voyez aussi d'ailleurs, plus loin, près de la table royale, deux lions.
vivants. Ils sont enchaînés, mais ils sont surveillés actuellement par 4 hommes qui sont en train de vraiment bien surveiller. Mais ils sont là. Ça, c'est des gros chats, ça. Mmh. Du coup, vu que j'adore tout ce qui est fait là, je m'approche. Henriette, vous voyez bien que ces créatures ont l'air de s'adapter à leur nouvel environnement. Oui, mais c'est des gros chats. Oui. Du coup, je fouille dans mon sac et je lui sors une photo. Regardez, ça, c'est un petit chat. Ah, très, très joli. Vous savez quoi? Vous devriez en parler avec notre ami Arthur, parce qu'il me semble avoir entendu qu'il était très félin lui aussi. Du coup, je crie. Arthur, t'es où? Monsieur le directeur. Monsieur McFalton, oui, comment allez-vous? Écoute, très très bien. Nous... Vous m'excusez, je continue de travailler pendant que vous parlez. Hein. C'est pas... c'est des beaux gros chats hein, que vous avez là. Tu vois les gardes en fait qui se regardent un petit peu entre eux. Ils n'ont pas l'habitude que les gens activement aillent vers les lions en fait. Il y a en général plus un moment de recul et là ils ont un petit moment de confusion à te regarder et ils te font signe qu'ils n'ont pas l'air de comprendre l'anglais. Je vais revenir vers toi très vite. Andrew, donc tu disais. Monsieur le directeur. Oui. Je reviens. Oui. Nous prenons un petit peu connaissance de votre établissement. Nous avons appris de bien belles choses. Le bâtiment a été construit sur un ancien temple, c'est bien cela? Oui, enfin un ancien bâtiment, un ancien palais pour être plus précis. Oh, c'est un ancien palais. Et mis à part la réserve de nourriture, il y a d'autres vestiges de cet ancien palais? À part les quelques pièces qui ont été... préservé historiquement, pas à ma connaissance, non, nous ne sommes pas très... De vous à moi, ce n'est pas vraiment l'attraction principale du Shepherd. Hein. Nous essayons plutôt de vendre une expérience de luxe, pas une expérience ancienne, vous comprenez? Oh, j'imagine, mais vous savez, des fois dans les vieilles pièces... des nids d'anciens insectes peuvent ressurgir... bien des années plus tard, ou être des lieux d'infiltration, vous voyez. Donc, ah oui, non, je vois ce que vous voulez dire. Alors, ça peut vous rassurer pour tout ce qui est... Si vous faites référence aux quelques cafards que certaines personnes prétendent avoir vus, il me paraît très peu probable qu'ils viennent de là. La cuisine est toujours maintenue dans un état irréprochable et elle est sur le trajet, sur le seul chemin qui permet d'aller dans ces zones souterraines. Donc si eux... s'ils étaient passés par là, les cuisines l'auraient vu et nous en auraient notifié bien avant. Donc, je vous arrête tout de suite, ça ne peut pas venir de là. Ah bien, je vous remercie. Mais bien sûr. Autre chose, cette soirée, vous n'en avez pas parlé? Cette réception c'était... Alors, je n'ai pas activement essayé de vous la cacher, rassurez-vous. Hein, c'est juste que c'est une soirée extrêmement... compliqué à organiser. Il y a beaucoup de monde, assez célèbre qui malheureusement va être présent. Ce qui fait que j'ai beaucoup de personnalités assez fortes à satisfaire en même temps. Ah, j'imagine. Donc, que surtout nous quatre ajoutés à la dernière minute, ça a dû être très difficile à placer. Moi aussi, je suis une célébrité. Ah, vous souhaitez être présent à la fête? Ah, vous ne nous aviez pas conviés? Alors, je n'avais pas prévu, pour être totalement honnête avec vous. C'est assez... fais-moi un test de persuasion. On sera tout petit. Tu peux l'aider? Tu peux, oui, si tu veux. Mais du coup, tu t'occupes plus des lions, on est d'accord. Tu es retourné vers lui, ouais. Oui. Je me demande si ça va être vraiment une belette. Alors, si tu veux le faire, en bas à gauche de ta feuille de personnage, tu sais, il y a lancer normalement ou lancer avec un dé bonus. Là, ah, tu peux le lancer avec un dé bonus puisqu'elle t'aide. Réussite extrême. Waouh, malheur. Ok. Oui, absolument. C'est... ça paraît très logique que vous soyez invité. C'est juste.
Alors, juste, il faut juste que vous me promettiez que vous soyez un peu discret avec les invités également. Entre le roi Fouad et l'Aga Khan, autant vous dire que c'est un peu compliqué de gérer un peu les personnalités de tout le monde. Donc si vous pouviez éviter de vexer les invités, ce serait parfait. Je proposerai des cookies. Henriette, vos fameux cookies, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts pour ce genre de mets aussi délicat. De quoi ? Je vous expliquerai. disons que cela est beaucoup trop raffiné pour ce genre de personnes. Leur palais n'est pas adapté. Une autre pointe de détail, c'est une soirée costumée. Est-ce que vous avez quelque chose à porter ? Toujours. Très bien. Costumée dans quel thème, dites-moi ? Ma foi, la jungle serait idéale si vous avez rien d'autre... Peut-être que vous pouvez vous tourner vers le Petit France. Peut-être qu'ils ont quelque chose pour vous. Ou le tailleur chez qui j'ai envoyé M. Phillips, il a très certainement des costumes intéressants en reste. Très bien. Bon, ne vous inquiétez pas, nous nous ferons très discret et nous éclipserons peut-être de temps en temps, car... Nous rappelons que nous devons un peu investiguer sur les choses qui se passent à l'intérieur du bâtiment. Et peut-être que, justement, beaucoup de monde étant impliqué dans la soirée de ce soir, peut-être que d'autres choses se passeront ailleurs. Potentiellement, oui. Donc si ça se trouve, effectivement, ça mérite d'être vérifié, je l'entends. Oui, donc je vous conseille effectivement d'aller voir déjà au niveau... de Monsieur de La Fontaine et peut-être de Madame Bélanger au niveau de la mode féminine pour Henriette, mais Henriette, vous disposez déjà d'un costume, donc c'est parfait. Voyez pour être costumé et être discret, ça devrait plutôt bien se passer. Costumé et discret, deux choses qui... Oui, enfin, vous m'avez compris. Bon, en tout cas, la fête commence à 21h. N'hésitez pas à venir un peu en retard de toute façon. Je veux dire, les entrées tardives ont tendance à être un peu plus spectaculaires. Très bien. Je vous remercie. Spencer, entre-temps, je pars du principe que tu as reçu l'instruction justement qu'ils ont été envoyés au niveau de la salle de bal. Donc si tu suis les instructions, tu devrais arriver à peu près à ce moment-là. À moins que tu fasses autre chose, ouais, dis-moi. Bah, juste, d'abord, je cherche Cleveland, mais je sais pas. Mm-hmm. Je crois qu'il n'est pas là, c'est ça ? Si, Cleveland, il est là. Lui, il est à l'accueil. Cleveland, il est là ? Ah ouais, alors non, par contre, je vais directement voir Cleveland. Mm-hmm. Tu vois qu'il n'est pas seul. Tu vois dans la pièce Garth Vader qui a l'air de discuter avec le monsieur qui s'inscrit en même temps que vous et qui sont en train de repartir. Ouais. J'attends d'être tranquille avec Cleveland, qui n'est pas trop d'oreilles qui traîne. Mmh. T'as quelques instants à attendre tout au plus quand Cleveland se tourne vers toi. Monsieur Phillips, dites-moi. J'ai croisé quelqu'un dans l'hôtel. D'accord. Il se pourrait que cette personne soit quelqu'un que vous auriez identifié comme étant Monsieur Bor. Bor, oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est qui ce monsieur ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? Alors, à ma connaissance, de ce que j'ai cru entendre dire, il s'agirait d'un physicien, si je me souviens bien. Un truc comme ça, enfin, un scientifique, tout du moins. Non, mais attendez. Le monsieur Bor qui est dans l'hôtel, c'est Niels Bor ? Ah, vous le connaissez ? Ah bah, de réputation, bah, très clairement, oui. Oui, donc, il s'agirait de lui. Bon, après, je pense que c'est peut-être lié, à son statut de génie, j'imagine. Mais je vous avoue qu'il était assez... il avait quelques petites demandes un peu inhabituelles, on va dire.
C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire qu'en fait... N'oubliez pas que je travaille pour votre patron en ce moment. Pour comprendre tout à fait, ce qui se passe dans l'hôtel. Donc, quand je pose des questions, comprenez que c'est en intérêt de tout le monde. Non, bien sûr, je comprends tout à fait. En fait, il est arrivé il y a à peu près une semaine et il a demandé 12 chambres communicantes. Je n'ai aucune idée de pourquoi, mais après, je veux dire... voilà, nous accommodons les demandes de nos clients, mais moi personnellement, j'ai jamais vu que lui en tout cas. Mais... Ah, alors lui, il se trouve au niveau des chambres 155, 255 jusqu'à 270 à peu près. D'accord. Au premier étage. Intéressant. Alors, c'est bizarre parce que de vous à moi, j'ai jamais vu qui que ce soit d'autre entrer dans ses chambres. Il a pas eu l'air de venir avec des invités. Moi, je n'ai toujours vu que lui. Mais bon, après, qui sommes-nous pour poser ce genre de questions, vous savez. Et vous le croisez un peu dans la journée ? De temps en temps, mais il a toujours l'air d'être un petit peu perdu dans ses pensées, probablement en train de penser à une nouvelle découverte scientifique, je ne sais pas trop. Non, et il est très réservé. Question bête. Oui. Quand vous le voyez et qu'il se déplace, il marche normalement ? Je sais, ça a l'air bête comme question. Mais est-ce qu'il a une démarche ? Non, mais c'est marrant que vous me disiez ça. Il est assez bizarre. Il est un petit peu rigide, peut-être. Après, c'est vrai que moi, quand je le voyais marcher, je me disais qu'il était souvent plus, comme on dit, un peu tête en l'air, vous voyez. Pas trop... À tourner toujours un petit peu en dernière minute ou ce genre de choses. Enfin, c'était assez bizarre. Mais bon, je me suis dit, les gens comme ça sont souvent perdus un peu dans leurs pensées. Et voilà, quoi. Et il est invité ce soir à la... Laissez-moi vérifier la liste. Non, à ma connaissance, il ne fait pas partie de la fête. Bien. Comme je vous le disais, il est assez réservé, donc j'imagine que ce genre d'événement mondain, c'est pas trop pour lui. Est-ce que vous pourriez lui laisser un message ? Oui, bien sûr, je peux faire ça. C'est-à-dire que si vous le croisez, vous lui donnez un message de ma part, au cas où je n'arriverai pas à le croiser avant vous. Ce sera fait, oui, bien sûr, avec joie. Que dois-je lui transmettre ? Ben, dites-lui que le docteur Philippe de Londres a appris sa présence dans l'hôtel et que ça serait un honneur et un plaisir de m'entretenir avec lui parce qu'il pourrait m'être d'une aide tout à fait précieuse par rapport à mes travaux. D'accord, ok. Écoutez, je lui transmettrai ça. Tu vois qu'il prend des notes un petit peu au fur et à mesure. Pas de soucis, je lui transmettrai si jamais je le croise. Quelque chose d'autre ? Non, merci bien. Et puis, écoutez, à plus tard... À plus tard. Merci, c'est une très bonne journée, monsieur Phillips. Les autres, du coup, est-ce qu'à un moment ou un autre, vous vous rassemblez ? Je suppose que oui. Alors, je pense que je reverrai certainement. Plutôt, je vais appeler à la réception, du coup, pour essayer d'avoir Cleveland. Il n'a pas de téléphone au niveau de la réception. Ah, il n'y a pas de téléphone. Donc, non. Du coup, je vais y aller physiquement en lui demandant qui était à la chambre 362. Tu arrives un petit peu vers la fin de la conversation avec Spencer. Monsieur Whelan, oui. 362, il s'agit de Monsieur Carter. Monsieur Phillips. Monsieur Carter. C'est bizarre, j'avais 322. D'accord, 362. Très bien. Ah, merci. Monsieur Phillips. Vous êtes donc tous les deux rassemblés. Andrew et Henriette, après avoir eu la conversation avec Belair, où est-ce que vous alliez ? On allait rejoindre les autres. Mmh.
Pour l'instant, vous avez assez souvent eu comme point de rendez-vous, on va dire, la zone de l'accueil. Donc, je pars du principe que c'est à peu près là que vous vous êtes retrouvés. Au moment où vous vous retrouvez tous rassemblés, Cleveland est parti en pause, laissant derrière lui un employé prendre sa place pour l'accueil. Vous êtes maintenant tous ensemble, il est actuellement 18h30. Que faites-vous ? Déjà, je communique les informations qu'on a eues par rapport à la soirée en disant que beaucoup de monde va être rassemblé ce soir là-bas et le plus intéressant ne sera peut-être pas dans cette soirée. Donc, malgré tout, nous pourrons y entrer si nous le souhaitons. Je suis arrangé au niveau du directeur. Y a-t-il un dress code particulier ? Oui, il faut arriver costumé. En personne de la jungle. Oui. Intéressant. Il y a des gens. Il y a des gros chats. Et des gros chats. Du coup, je leur fais un topo en leur rappelant donc la silhouette que j'avais vue. Et je leur explique voilà, que ça m'a amené à appeler quelqu'un à Londres et que cette personne serait Niels Bohr, le célèbre physicien, et que du coup, j'ai pour objectif de le rencontrer et d'échanger avec lui. Bien que son statut de physicien n'explique pas complètement le fait qu'il disparaisse et réapparaisse à des endroits improbables, les écrits de ce cher Einstein dont vous parlez, vous parliez plus tôt. Note que là, en 1922, il est à peine, il est connu effectivement Niels Bohr, mais pas non plus au point d'être célébrité mondiale, etc. Plus tard dans l'année, il recevra son prix Nobel. Pour l'instant, il est juste une célébrité de niche, quoi. Non, mais pour le coup, je suis plutôt bien noté en sciences. Complètement, c'est cohérent. Et vu que je m'intéresse à tout ce qui est physique, quantique, tout ce qui est en train de naître à cette époque, parce que j'y vois un côté avec la psychologie et tout ce que ça peut ouvrir comme porte. Du coup, ça fait partie des personnes. C'est un de mes héros, quoi, déjà. Le temps qu'ils discutent, ouais. Je m'éloigne un peu. Vers où ? Dans le hall, juste pour trouver une espèce de petite table. Au pire, je déplace un vase de plantes. Il y a la terrasse qui est juste à côté de la réception où tu as largement assez de tables, si tu veux. Je vais à la terrasse, du coup. Et je vais tirer les cartes en espérant qu'il n'y ait pas de coup de vent. D'accord. Très bien. Tu y vois un portier qui est juste là en train de te laisser passer tranquillement, etc. Ton tirage de cartes, tu te focalises sur quelque chose en particulier ou sur une personne en particulier ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Sur l'ombre qu'il y avait en lien. Sur Niels Bohr. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Fais-moi un test de pouvoir. Allez, mon pouvoir, je le présente toi. Je peux utiliser un truc ou pas ? Tu peux essayer d'utiliser la chance si tu veux, ou bien de retirer les cartes différemment, ou retirer les cartes différemment si tu me dis comment. Sachant que si ça rate, il y aura une conséquence. C'est toi qui vois. Les deux me vont. Vous voyez en ce moment le débat interne dans la tête d'Aki. Je vais tirer les cartes différemment. Qu'est-ce que tu changes dans ta démarche ? Est-ce que tu changes le sujet de ta réflexion Par rapport... Désolé, je mets du temps, mais... Non, au contraire, attends. Non, c'est pertinent. Par rapport... Qu'est-ce que tu pourrais...
Peut-être par rapport à ce que j'ai vu là, l'espèce de sarcophage en cône. Ok, ça marche. Essayer de localiser à peu près l'ouverture de l'ouverture de porte, où est-ce que ça peut être, tu sais, la zone précise. Mmh. Enfin, précise. Alors, les tirages de cartes ont rarement donné ce genre de... Enfin, t'ont pas forcément donné des informations précises en termes de localisation ou trucs comme ça, mais ça va te donner en général des lignes directrices de choses à faire ou à ne pas faire. C'est plus dans cet esprit-là que les cartes te communiquent en général. Ah, ok. Bah, je vais faire les cartes. Vas-y. Donc, vas-y. Fais-moi ton test de, ton deuxième test de pouvoir. Allez. Très bien. Tu te focalises un petit peu sur tes cartes et tu tires la première. Tu tombes sur la mort. Ça t'inquiète un peu. Mais bon, ça peut être un symbole de plein de choses. Tu tires une deuxième carte. Tu vois la mort. C'est pas censé arriver. Ah ouais, si. Tu tires une troisième carte. La mort. Tu commences à t'inquiéter, tu regardes ton deck de tarot, toutes les cartes représentent la mort. Autour de toi, tout devient sombre. Toute la terrasse commence toute la lumière autour de toi commence à diminuer, comme si d'un coup la lumière commençait à s'arrêter. Tu regardes un peu autour de toi, tout devient sombre et tu arrives plus à voir à plus de 2 mètres autour de toi. Tu vois juste toi et ta table. Oui. Panique, je m'éloigne de la table, je panique. Tu t'éloignes de la table en reculant comme ça un petit peu, courir à hauteur de ce que tu es capable de faire avec tes déambulateurs. Je marche vite, très vite. En reculant, en essayant de t'éloigner un petit peu de la table, tu te retournes et commences à courir et tu te retrouves comme ça nez à nez avec le portier qui te regarde comme ça en te toisant un petit peu de haut et un peu plus grand que toi. Il te fait « Tout va bien, madame ?» et tu vois son visage commencer à se déformer un peu devant toi et tu tombe en arrière, en fait, pris par cette image violente, et tu tombes dans les vapes. Fais-moi un test de santé mentale, s'il te plaît. Ok, tu ne perds que 1 point de santé mentale. Et alors que tu t'évanouis, vous autres, vous entendez le portier dire « Madame Henriette ! Madame Henriette !» un peu plus loin derrière vous. Henriette, toi, tu te sombres dans la conscience et tu, dans cette espèce de noir absolu d'inconscience totale, tu entends juste des chuchotements dans ton oreille qui te dit « Prends-le, prends le disque solaire, il est à toi, prends-le. » Et c'est tout. Vous autres, qu'est-ce que vous faisiez à cet endroit-là ? Moi, j'allais expliquer ce que j'ai vu à mes compagnons. Du coup, je vais vous dire que... Merde, il faut que je reprenne le truc où j'étais. Ouais, c'est ça. Les odeurs de putréfaction et les éventuelles traces étranges de liquide pourrait éventuellement, je regarde un peu à gauche à droite en essayant d'être sûr de les personnes qui nous écoutent, pourraient venir de monsieur Carter. J'ai retracé, j'ai vu en repartant vers ma chambre des traces de liquide avec cette odeur et en les suivant, apparemment j'ai demandé à monsieur Cleveland, il n'y avait que monsieur Carter qui était passé par là et quand j'ai remonté la trace, c'était devant sa chambre. Donc il y a quelque chose de louche. Si on peut à un moment essayer, il faudrait vraiment essayer de rentrer dans cette chambre. Derrière toi, tu entends Madame Henriette. Madame Henriette. Oh, hello. Et tu entends des petits bruits de petites tapes sur le visage, en fait. Vous entendez tous les trois ça, d'ailleurs. Voilà. On va auprès d'Henriette. Vous. En arrivant dans la terrasse, vous voyez le portier comme ça en train d'essayer de réveiller tant bien que mal Henriette qui est là au sol, inconsciente. La chaleur et les personnes âgées ne font pas mon ménage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était juste en train de jouer avec ses cartes et d'un coup, elle est tombée. Elle s'est levée comme ça, un peu en panique, et elle est tombée. Je vous promets, j'ai rien fait. Hein.
Je vais regarder les cartes, du coup. Tu vois des cartes de tarot qui sont réparties sur, comment dire, sur la table. Elles ont toutes été un petit peu renversées comme ça, un peu à la va-vite. À l'exception peut-être des trois qui sont devant elle. Tu vois le diable, le soleil et la mort. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose pour réveiller Henriette ? On a été coupé. Oui, bah déjà, moi j'essaye de... qu'on la prenne et qu'on l'installe sur un truc un peu plus confortable. Mm-hmm. Et puis ensuite, bah, la secouer gentiment. Là, des petites baffettes, hop. Ok. Regardez si elle respire ou pas, d'ailleurs. Ah oui, elle respire. Ceux qui essaient de la réanimer, faites-moi un test de premier soin, s'il vous plaît. Ok. Ça te prend un petit moment avant de trouver le bon dosage de entre la petite tapote et l'espèce d'énorme gifle. Tu réussis à trouver le bon dosage pour que Henriette, d'un coup, tu reprends un petit peu conscience et tu es entouré par tes camarades. Tu sais pas trop ce qui vient de se passer. D'un coup, tu as perdu conscience. Bah, je dis la mort était là. La mort, mes cartes. Partout, la mort. Et prends-le. Prendre la mort. Prends-le. Henriette, je sais que la journée... Prends-le quoi, Henriette? C'est dur de pas faire le metagaming, hein? Parce qu'il y a que elle qui l'a entendu, ça. Ah oui. Elle met du temps. C'est vraiment RP que je fais. Complètement. Hein. La mort. Prends-le. La mort, prends-le. Disque solaire. Le disque quoi ? Le disque solaire. Vous savez, le rond que j'ai vu dans mon truc. Toi, tu l'as vu. Le médecin. Toi, tu l'as vu, le rond, le disque solaire. Oui, je l'ai pas vu, mais vous nous l'aviez très bien décrit après. Oui, le rond. D'accord, donc ce rond, ça s'appelle le disque solaire. Il m'a dit, prends-le. Alors, Henriette, si un jour vous voyez une telle chose, je vous déconseille très fortement de la prendre. On m'a dit de le prendre. C'est visible, oui. Mais c'est peut-être pas un très bon conseil, effectivement. Je me range du côté d'Andrew. Je pense qu'il ne fait pas toucher cet objet. Eh bah, ben, vous verrez, le jour où vous entendrez « prends-le, le disque solaire, prends-le », vous verrez. Si vous n'êtes pas tenté de le prendre. Cela vous dit quelque chose, Arthur? Un disque solaire? Eh bien, il y a peut-être des choses qu'il faudrait que je vous partage, mais pas ici. Vous voyez que vraiment, il remet sa cravate. Du coup, je vois Arthur et je le regarde, je fais... Mais oui, c'est vrai, je vous cherchais tout à l'heure. Vous aimez les lions ? Pas spécialement. Ah, j'ai dû confondre avec mon neveu, Arthur Willis. Arthur Wayland, c'est très proche. Et après, on dit que c'est moi qui est vieille et qui perd la boule. Si vous avez des choses à nous dire, Arthur, peut-être pouvons-nous nous retrouver dans la chambre tous les quatre. Mais effectivement, de toute façon, il faudra bien qu'on aille se changer après avoir fait nos achats. Je vous avoue que je suis peut-être un peu vieux pour ces conneries. Eh bien, ouais, vous savez, il faut savoir prendre un peu de sa personne quand il s'agit
de découvrir des mystères. Oui, mais c'est pour ça que je compte sur vous. Bon, allons jusqu'à la chambre. Vous voulez bien? Merci beaucoup, monsieur. Je m'adresse au portier qui a s'occupé de la... Francis. Francis. Vous êtes sûr qu'elle va bien? Oui, ne vous inquiétez pas. Vous êtes une bonne personne, Francis. Du coup, je m'en vais avec mon déambulateur et je fais Francis mon cul, oui. Hein? Avec son visage qui se tourne là. Hein? Henriette, vous ne voulez pas remercier ce gentil portier de vous avoir s'être occupé de vous, peut-être? Avec sa tête tourbillonne, non. Puis je m'en vais. Écoutez, ne vous inquiétez plus de tout ça. Je prends encore un billet. Oh, putain, elle commence à te coûter cher, Henriette. Elle commence à me coûter cher, Henriette. Il accepte le billet. Et tu vois quand même qu'il n'est pas rassuré en fait, à l'idée que ça puisse avoir des répercussions sur sa réputation. Quoi. Il a l'air de prendre son boulot. C'est un petit jeune, en fait, début vingtaine, en tout cas. Et il est assez nerveux. Bon. Je dirais okay. Bien de vous. Je ramasse les cartes de la mamie. Enfin, pour les repaquer. Ça marche. Tu disposes donc du paquet de tarot de Henriette. Vous sortez de la terrasse et êtes actuellement dans le hall d'entrée. Il est 19h, la fête aura lieu d'ici 2h. On verra à la prochaine session ce que vous allez faire comme préparatif pour cette fête. D'ici là, tout le monde, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode 2. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3 avec cette magnifique équipe que vous avez devant les yeux. Et d'ici là, passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ciao tout le monde.